bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui en ce beau samedi pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Et vous voyez la remorque, vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des petites livraisons, en tout cas déjà une livraison de vaccins Covid. Parce que je rappelle qu'on a quand même cet objectif de faire 7 livraisons de Covid. Donc aujourd'hui, les amis, nous sommes à La Rochelle et on va directement à Toulouse pour cette livraison. Petite parenthèse, avec la route de la mort en promode, vous m'avez enfin dit où c'est qu'il faudra aller pour faire la route de la mort avec tout le bordel. Ça se passe tout en haut, en Suède. Et j'ai reconnu, du coup, c'est ici à peu près... Attendez, j'ai oublié le nom. Kirkenes. Voilà, Kirkenes. Et c'est juste ça, en fait. Tout ça, c'est la route de la mort avec des grands virages très serrés. Ça bouchonne, ça monte, c'est un calvaire. Donc voilà, la fameuse route de la mort qu'on fera un jour ou l'autre. Notre cargaison est prête, les amis. On va pouvoir directement partir. J'ai changé l'angle de vue du camion, de ce petit DAF Algan, bien sûr. Ce qui est super sympa, voilà, on est beaucoup plus proche du camion et je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus réaliste et surtout, bah, je sais pas, je me sens plus à l'aise. On voit mieux la remorque, etc. Enfin bref, on est vraiment pas mal. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas le pouce bleu. Alors les amis, c'était une des rares fois et des dernières fois qu'on ira en multijoueur sur Euro Truck. Les amis, vous avez vu la catastrophe, hein, vous avez vu la catastrophe avant-hier soir. Alors je sais plus, attendez, je suis perdu dans le programme. Bref, mais jeudi soir, on a fait donc un live sur YouTube Euro Truck, la rediffusion est disponible, et c'était en multijoueur. Voilà, parce que vous étiez nombreux à chaque fois à me demander, hey, Mkolo, pourquoi tu vas pas en multijoueur, machin et tout. Eh ben, vous avez la réponse, parce que c'est tout simplement le bordel, et que c'est pas RP du tout. Mais en tout cas, on y retournera, les amis, pour aller faire la route de la mort quand même, parce que c'est un truc qui m'intéresse, j'ai envie qu'on s'amuse. Mais voilà, c'est très arcade, et c'est clairement pas un truc qu'on va faire très 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 souvent, hein, le multijoueur. Donc clairement on va continuer comme ça en solo avec nos mods, on est très très bien comme ça, vous l'aurez évidemment compris. Mais c'était super sympa et encore une fois merci à vous pour vos retours durant le live, votre fidélité d'être là, d'être présent, d'être chaud et de m'avoir aussi rejoint sur le jeu. Ça c'était super stylé. Je sais qu'il y avait Félix le routier, il y avait Jojo, il y avait le crafter et j'ai peur d'oublier quelqu'un, donc je m'excuse à l'avance. Mais voilà, c'était super sympa et ça c'est super stylé. Donc je pense que quand on refera des lives Euro Truck en multijoueur, comme vous me l'aviez suggéré d'ailleurs en commentaire, c'est à l'avance de prévoir un peu comme sur Flight Simulator, un plan de vol. Sauf que là ce sera un plan de conduite. Donc ce serait pas mal de prévoir ça. Waouh, de prévoir ça à l'avance. Ouah, je suis un caca, pardon. Il faut que je me remette dans le bain là, il faut que je me remette dans le bain. Ah, on a trop roulé comme des cons jeudi soir, donc là on se remet dans le bain, on roule RP, en plus on a des vaccins quand même dans le, dans le caddie, donc on va faire quand même gaffe. Ouais, j'ai dit dans le caddie, ouais. Ouais, j'invente des expressions, hein, les gars, moi je suis pas encore routier ou quoi, donc j'invente mes expressions à moi, c'est très bien comme ça. Donc voilà, direction Toulouse. Je voulais encore dire des trucs, mais j'ai complètement oublié. Bah, par rapport au métier de routier, merci beaucoup, vraiment, pour vos retours. Alors là, on va pas parler du live, on va parler du dernier épisode officiel de Euro Truck. Je vous ai parlé de mes petits doutes, hein, de... Ah, ça pourrait être sympa d'être routier, machin et tout. Et vous avez été très nombreux à dire un petit peu vos avis, à dire, bah, vous-même, ceux qui sont routiers dans la vraie vie, à dire les points, les avantages et les inconvénients du métier. Et vous me faites chier. Vous me faites chier, les gars, parce que... Ça donne juste complètement envie de faire ce métier qui, je pense très sincèrement, à contrario de ce que vous dites en majorité, qui doit être quand même assez compliqué parce que finalement, à part les inconvénients qui pour moi ne sont pas des inconvénients, je pense qu'il y a quand même d'autres... Pour une fois que l'intelligence artificielle laisse s'insérer les gens, ça c'est quand même pas mal. À contrario, parce que par exemple, voilà, un des, entre guillemets, inconvénients, mais qui sont des avantages pour la majorité d'entre vous, et qui serait un avantage pour moi aussi parce que ça me plaît, c'est d'être très souvent évidemment sur la route. C'est normal, hein, c'est le principe de routier, d'être très principalement sur la route, d'être un petit peu loin de sa famille parce que forcément bah, tu roules, t'es pas à la maison. En attendant, quand tu fais un métier dans la vraie vie, bah, t'es pas à la maison non plus, sauf si tu fais du télétravail ou si tu travailles à la maison, donc ça change rien. C'était quoi aussi bah, le fait que tu sois seul et que tu travailles pas en équipe. Ça, très clairement, c'est également pour moi un avantage. C'est con, hein, on est dans une société qui commence à s'individualiser, mais c'est vrai que le travail en équipe, ah, c'est bon quoi. Le lycée, ça m'a assez saoulé. Donc très clairement, c'est quelque chose... Attends, t'imagines, t'es là, tu roules ton camion, t'écoutes de la musique, t'es nickel. Alors, après, t'as la pression du temps, comme vous m'avez expliqué, comme c'est représenté sur le jeu. Le temps,
les infractions, faire attention, c'est dangereux quand même, mine de rien, c'est très dangereux. Mais je suis passionné par la route, j'adore la route et le peu de fois, enfin le peu de fois, je prends tous les jours la route pour mon auto-entreprise, ok. On en parlera vite fait dans ma vidéo FAQ, je pense. Mais bref, moi des fois, enfin tous les soirs je rentre de nuit, enfin le soir avant mes lives, vous savez, il fait déjà nuit, pour le moment en tout cas, quand on sera en été, il fera de nouveaux jours. J'adore rouler, même de nuit et tout. Mais donc j'adore. Mais je pense qu'il y a d'autres trucs et que vous ne dites pas, ou alors auxquels vous vous êtes habitués, vous les routiers, parce que il y a des trucs qui me font très peur. Autant les manœuvres, ok, ça s'apprend, forcément, c'est le principe. Mais moi, j'ai trop peur de tout ce qui est responsabilité. Bah déjà, on va y venir après, mais par rapport à comment devenir routier, faire les non pas les études, mais tout ce qui est permis, etc. Ça, c'est un truc qui me fait très peur. Et trouver un emploi, c'est un truc qui me fait très peur. Mais sinon, c'est aussi toute la pression qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gars? Bon, je sais que j'ai pas anticipé, mais à un moment donné, faut pas non plus se foutre de ma gueule. Il est quelle heure, là? Ah, il est midi 28. Les gens, ils sont sur la route, c'est pour ça. Bah, grosse ambiance. On est dans les bouchons. C'est pour ça, j'adore, par contre, vraiment très sincèrement, ce mode Real Traffic Time. Parce que regardez, on se retrouve dans des bouchons en un rien de temps. Et c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé pour le coup. On va rester RP. On va rester RP. On va pas faire les cons. Donc, on va rester là. Ah, ça marche pas, ça. Ah, ça c'est l'inconvénient du track IR avec juste les réflecteurs, c'est que tu peux pas faire ça. Alors qu'avec le truc sur le côté, tu peux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Vas-y, insérez-vous les gars. Insérez-vous. Ok. Ah, quand même. Bon bah t'attends toi. Hein. Non, d'accord, tu passes. Ah, ils sont indécis. Hein. Ils sont indécis. Bon. Et d'ailleurs, je suis content que vous avez remarqué des trucs dans le dernier épisode, justement, parce que je parlais de devenir routier et j'avais complètement un comportement RP à un moment donné et c'était naturel. Quand je me suis fait doubler par un camion, comme là ce qui va se passer actuellement, je n'avais rien dit dans la vidéo, je l'ai fait de moi-même. Et vous l'aviez dit en commentaire, c'était Félix qui a dit « Ouah, t'étais en train de ralentir quand tu te faisais doubler et tout, c'est top, c'est les routiers gentils qui font ça et tout. » Bah c'était naturel, c'était... Puis surtout en plus, bah j'ai... En fait dans la vraie vie quand tu roules en voiture c'est la même chose quand tu te fais doubler. Et que c'est la merde et tout, t'es pas censé accélérer quand tu te fais doubler en tout cas. Donc voilà, mais c'est drôle et c'est cool que vous l'ayez remarqué. Bref, non voilà, ce qui me fait peur en fait les gars, c'est que si je deviens routier, je sais, j'ai peut-être pas le profil pour devenir routier, ça paraît fou. Hein. Même si en grande majorité vous êtes là en train de me soutenir, c'est un truc de dingue. Mais bon, il me doublera jamais lui. Hein. Il me doublera jamais. De toute façon, il y a un péage. Le truc qui me fait peur, c'est ouais, le permis. Alors je sais, j'ai vu, je me suis renseigné du coup également. Il y a plusieurs permis qui existent. Alors c'est le permis C. Alors t'as C1, C2, C3, je sais pas, je dis des conneries maintenant. Ça c'était obligé ça. Ça c'était obligé qu'il allait essayer de s'insérer comme ça. Il y a plusieurs types de permis machin et tout. Donc c'est top, c'est top. Mais ouais, moi ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que je sais qu'il y a des fiches. Je sais qu'il y a des fiches par exemple, d'accord. Et les fiches, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi. J'ai eu mon permis moto. J'ai mon permis moto. C'était même le premier vrai permis que j'ai eu avant de faire le permis voiture. Donc les fiches, je connais. Le problème, c'est que, attention, la moto, ça m'a. C'était une passion innée. Tu vois, c'était un truc dès le début. J'étais passionné et j'avais envie d'apprendre et de tout savoir dessus. Le camion, pas spécialement. Si j'ai envie d'être routier, j'ai envie de passer du temps sur la route, à me sentir utile, à faire des livraisons, mais c'est pas pour autant que je kiffe les camions, ok, c'est super stylé, et j'ai commencé à avoir une attirance pour les camions. Mais je suis pas je suis pas puriste dans une optique de passion, en train de tout savoir sur les camions et de tout avoir à connaître dessus. Et j'ai peur que ça m'handicape. L'autre truc qui me fait peur, c'est que maintenant, une fois que j'ai le permis, qu'est-ce qui se passe après? Parce que moi j'ai pas envie de passer, je vais pas vous mentir. Vous m'aviez fait plein de suggestions et c'est trop cool. Parce que vous êtes nombreux à faire des immersions dans les entreprises, c'est ça? Mais pour ça faut passer par Pôle emploi, mission locale, les trucs comme ça. Moi Pôle emploi je veux plus en entendre parler. Mission locale je ne veux pas y aller. C'est pas compliqué, je suis un rebelle, je m'en bats les couilles, je ne veux pas. Je suis déjà passé par Pôle emploi. Pôle emploi qui s'est très bien occupé de moi, attention. Parce que j'avais en tout cas j'avais un gars qui était très sympa. Oh là 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 là. Les bouchons. Je vais vous raconter ma life, hein. Vous savez que je voulais devenir moniteur auto-école. Bah, si vous le saviez pas, maintenant vous venez d'apprendre. Mais je crois que j'ai dit dans la dernière vidéo, je voulais devenir moniteur auto-école, ok. Et je suis passé par Pôle emploi et tout, et le mec en face de moi, il avait très bien compris que j'étais débrouillard, et en fait, ils m'ont presque laissé en plan. Et j'ai pas envie de repasser par Pôle emploi, j'en ai pas besoin. En fait, je suis passé par Pôle emploi parce que je voulais financer
Parce que c'est très cher de devenir moniteur auto-école. C'est très cher. Tu dois payer très cher juste pour faire un métier utile. C'est ça ce qui est quand même dingue. A contrario, tu veux être gendarme pour aider les gens, bah là il y a tout qui est payé. Alors par contre, devenir moniteur auto-école pour apprendre aux gens à conduire, là par contre c'est toi qui dois payer ta race. Je comprends pas, mais c'est comme ça. Personne n'a compris pourquoi d'ailleurs, même Pôle emploi ils comprennent pas, mais c'est comme ça. Donc pour financer, fallait passer par Pôle emploi. Bon, le permis camion c'est quand même bien plus abordable. Abordable, ça n'a rien à voir. Et en plus ça peut être payé par la région. Bref, je m'en fous. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je veux pas passer par ça et j'ai pas spécialement envie de faire des stages en immersion. J'en ai rien à foutre. Je sais que ça peut aider, mais j'en ai rien à foutre. J'ai rien à prouver. Si je sais conduire, je sais conduire. Si j'ai mon permis camion, c'est que je l'ai eu, tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux aller à mon auto-école que j'apprécie grandement où j'ai fait mon permis moto et voiture? Est-ce que je peux aller chez eux et leur dire voilà, je veux faire donc le permis camion? Évidemment, je pense que tu peux le faire comme ça. Hein. T'as juste à payer et tu peux faire ton permis camion même si tu vas pas faire ça comme métier, j'imagine. Mais est-ce que je peux me présenter là-bas? Et après, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon permis camion, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant, je vais aller postuler à chaque entreprise en disant voilà, j'ai mon permis camion, est-ce que vous me prenez ou pas? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Voilà, c'est ça la question. Comment on fait pour trouver un emploi finalement après quoi? Eh ben putain, j'aurais jamais autant bien formulé une question. Oh les gars, je compte sur vous pour me répondre. Alors là, je compte sur vous. Bon bah c'est nickel, on s'éclate dans les bouchons. Mais ça va, ça passe en vrai là les... Les gens commencent à s'insérer tranquillement. Hein. Puis moi, ça me permet de parler, donc... Et ce qui est bien avec les contrats externes, puisque du coup, on fait le Covid, hein, donc c'est un contrat externe, c'est que j'ai 23 heures dans la vraie vie. Frérot, je compte pas faire une vidéo de 23 heures, donc on a largement le temps de faire la livraison. Et il n'y a aucun stress, et ça, c'est cool. En vrai, les contrats externes, c'est moins stressant, en fait. Hein. Je disais que c'était moins bien, les contrats externes, mais en fait, c'est beaucoup moins stressant. Ça y est, on va pouvoir s'insérer, là. Allez, go! Faudrait que j'ajoute une trompe sur ce camion. Non, là par contre, t'abuses gros. Ah, quand même. Bon, allez, on va s'insérer de force. Devant le camion. Impeccable. Impeccable bien. Waouh, l'autre il est passé comme une fusée. Hein. Bah, voilà, bah, j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'ai dit tout ce que je voulais dire, je vous ai posé mes questions. Et ça, c'est top. Mais c'est vrai, hein, ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment pas envie de faire d'immersion. S'il faut le faire, je le ferai. Mais j'ai vraiment pas envie de faire d'immersion. Et dans mon CV, quand je vais aller chercher des emplois et tout pour chauffeur routier, je dirais ouais, écoutez, moi j'ai fait des vidéos sur Euro Truck. Ah, je suis mort. En vrai, c'est le pire truc à faire. Mais surtout si après ils regardent mes vidéos et qu'ils voient comment j'ai roulé. Non, une fois que je serai dans une entreprise, là après je pourrais dire, hey, j'ai fait des vidéos sur Euro Truck si vous voulez voir la catastrophe. Mais bref. Ah là là. Non mais c'est vrai, ça peut être sympa. Parce qu'en plus ça me fait quand même vachement marrer. Enfin marrer non, c'est pas drôle, mais c'est assez contradictoire avec mes débuts sur Euro Truck. Quand j'ai commencé la vidéo Euro Truck, il y avait plein de gens en commentaire. Enfin plein de gens. Il y avait beaucoup de gens très relous. Ce que je vous disais, ceux qui étaient pas respectueux, mais ceux qui connaissent tout mieux que tout le monde. Il y avait des gros routiers qui venaient et qui disaient ouais, t'as les jeunes, vous savez pas ce que c'est routier, hein. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est un métier de merde. Je sais pas pourquoi vous voulez. Je sais pas pourquoi vous vous intéressez à ce métier. Ne faites jamais ça. C'est horrible. Moi, ça fait des années que je fais ça. J'en peux plus. C'est relou. Trop de pression. Moi, je sais tout mieux que tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup. Et puis, à contrario, je vois plein de jeunes. En fait, j'ai l'impression que routier, c'est devenu. Attendez, je peux pas faire de métaphore parce que j'ai pas d'exemple en tête. Mais c'est devenu un métier plus commun en fait. J'ai l'impression que c'est moins routier à l'époque. Et pareil, je t'en parle à tes parents, t'en parles à n'importe qui. Tu parles de routier, tu vas voir le gars en Marcel, tu vois, avec son débardeur et tout. Gros bras. C'est ça en vrai. Le cliché du routier à l'ancienne en fait. Là on est en 2021, j'ai l'impression que routier, tu peux avoir ma gueule. J'ai vu des vidéos de gars, ils ont ma gueule. Genre, ok, ils ont ma gueule, ils sont tout aussi jeunes. Enfin, si, ils ont plus, mais ils ont l'air d'avoir mon âge. Et ils sont là et tout, tout maigre en plus, tout maigre. Et ils conduisent leur camion et ils vivent leur putain de vie en fait. Et ils gèrent. Il y a un youtubeur, il y a plein de youtubeurs. En fait, je savais pas, mais il y a tout un gang. Il y a tout un gang de youtubeurs et pareil sur TikTok qui font des vidéos dans la vraie vie avec des camions. Bah voilà, j'ai pas besoin de faire d'immersion. Je regarde les TikTok et je regarde des vidéos YouTube. C'est excellent. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez bien quand je parle comme ça. Enfin, parce qu'en fait, pareil, il y a des commentaires, ça me fait trop rire, mais ça me fait plaisir, merci les gars.
Il faut tout pour faire un monde. Il y a des commentaires qui me disent tes vidéos me font dormir, mais c'est cool. Donc c'est pas une reproche. Alors, c'est super stylé, mais ça veut dire quoi? Mes vidéos vous ennuient? Mes vidéos sont chill? Ça veut dire quoi? Parce que du coup, moi des fois, je parle vite et je parle fort. Eh, vous êtes relous les gars. Ah, vous inquiétez pas, j'ai pas amoché le camion. Mon camion, il est déjà cassé de façon, regardez. Voilà. Mais ça, ça date du live. N'est-ce pas le multijoueur? Bref. Attendez, je vais un peu reculer, sinon il va pas... Voilà. Pas de panique, hein, la voiture derrière. On y va? Oh là 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 là, ça y est. Vas-y le bus. Vas-y le bus. Mais le bus! Voilà. Par contre, j'ai pas dit la voiture. Hein. J'ai pas dit la voiture. Hein. Peut-être pas déconner non plus. Hein. Faut pas déconner. Bon, ça va, y a un péage à 400 mètres. Bref. Ah là là, les gars. Quel plaisir, quel plaisir. Est-ce que, dites-moi en commentaire aussi, je vous demande plein de choses à chaque fois en commentaire, mais c'est tellement un kiff après de vous lire. Très sincèrement. Et vous savez que je lis tous vos commentaires, je mets des petits cœurs des fois. Enfin, assez souvent en fait, je mets des petits cœurs. Et j'essaye un maximum aussi de vous répondre en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, dès que je peux, je vous réponds. C'est la moindre des choses. Est-ce que la semaine prochaine, ça vous intéresse qu'on fasse comme cette semaine, à savoir pas mal de contenu sur Euro Truck? Dites-moi, est-ce qu'on focus ou pas la semaine prochaine Euro Truck de la même façon que cette semaine? Alors, cette question est conne parce que on est sur Euro Truck. Donc la majorité de vous, vous allez pas dire non. Je suis con. Bref. Non, voilà, je veux savoir si... on refait 2 lives la semaine prochaine sur Euro Truck. Ou peut-être 3. Je sais pas si j'arriverai à tenir, mais on peut essayer de faire 3 lives Euro Truck et 2 vidéos Euro Truck. Waouh, je sais pas si c'est jouable. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Parce qu'en fait, le problème, c'est que faut pas non plus trop en faire. Si on en fait trop, vous arrivez pas à suivre. Et moi, je vais saturer. Tout de même. Enfin, ce que je veux dire, je vais... En fait, c'est pas tant rouler qui me fait saturer, évidemment. Et vous, si je veux être routier, c'est pas pour en avoir marre au bout de 2 heures. Mais je vais saturer parce qu'en fait merci monsieur, ça c'est gentil de vous décaler. De 1, ça fatigue de faire des vidéos. Et en plus faut avoir des idées de choses à dire. Et le problème c'est que si j'enchaîne les vidéos, à un moment donné je saurais plus quoi dire et je vais être là. Comme ça tu vois. Et je pense que c'est pas ouf. Alors là je suis sûr que tout le monde va s'endormir. Mais je suis sûr que le watch time il va aussi s'endormir. Et je suis pas sûr que vous allez kiffer. Donc peut-être pas en faire trop. Mais au niveau des lives, on peut facilement en faire 3. Et on pourrait très bien, les amis, faire 2 lives Euro Truck en solo. Et 1 live en multijoueur sur ProMod. Du coup, faire la route de la mort. Ça pourrait être pas mal, tiens. Ouais, ça pourrait être pas mal. Comme ça, on se fait 3 lives Euro Truck, 2 RP et 1 où c'est le bordel. Comme ça, en vrai, on se fait un petit truc sympa. Les vidéos, on s'en fait 1 ou 2. Parce que ça c'est pareil, le problème en fait, je vais vous expliquer pour être très transparent, mais je pense que vous allez très vite comprendre le souci, c'est que j'essaye, vous avez vu, de faire gaffe à ce qu'il y ait un petit écart entre les lives et les vidéos. Parce que le problème, c'est que les lives c'est du direct, les vidéos c'est du décalé. Et le problème c'est que faut que je fasse attention et il faut, comment dire, il faut que en fonction, il faut que, comment dire, bah faire attention à pas évoquer les mêmes sujets en fait, c'est ça le truc. C'est que si maintenant je tourne, je vais vous dire un truc, je vais tourner une vidéo Euro Truck lundi pour que la vidéo sorte le mardi, ok? Donc ça veut dire que le mardi vous aurez une vidéo Euro Truck, mais que je l'aurai tournée le lundi. Bah si je fais un live le lundi soir, bah c'est la merde. Parce que ce que vous allez voir mardi, ça se sera passé avant ce que vous avez vu lundi soir. Et du coup la progression sera pas la même, ce sera pas cohérent. J'aurai plus d'argent lundi soir alors que le mardi j'aurai moins d'argent, par exemple. Voilà, c'est un exemple concret. Donc c'est pour ça que je fais attention. Je fais en sorte que quand il y a un live, la prochaine vidéo elle soit plus tard pour que j'ai le temps de la tourner après le live. Vous voyez ce que je veux dire? Là, cette vidéo que vous voyez samedi, je la tourne, on est vendredi, puisque j'ai fait le live la veille, le jeudi soir. Vous voyez ce que je veux dire? Pas mal hein. Voilà. Donc on verra comment j'organiserai ça. Mais si vous êtes chaud, 3 lives, 2 vidéos la semaine prochaine. Et je pense qu'on sera pas mal. Je pense qu'on sera pas mal. Ou alors qu'une seule vidéo, on verra. Vous me dites en commentaire ce qui vous va le mieux. Ou si ça vous change rien, de toute façon. Je vous connais, en vrai, vous êtes pas chiant et vous allez être en mode, bah fais comme tu le sens. En fait, c'est ça, je sens déjà venir le truc. Alors, les amis, j'ai oublié de préciser un truc. J'ai enlevé un mod. J'ai retiré un mod. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de bug hein, depuis le début. Hein. Bon, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu trop de chargement, je pense. Mais on n'a pas eu de bug depuis le début. C'est très fluide. C'est fantastique.
Mais je pense pas que ce soit lié de toute façon. J'ai enlevé un mode, et ce mode, il est ni plus ni moins Radar Detector. Oh. Et là vous dites, mais attends, mais il est complètement con ce gars. Pourquoi il a enlevé Radar Detector? Eh bien, c'est pas à cause du bruit, parce que le bruit, vous savez que maintenant, avec ma petite tablounette de mixaginette, Ginette, bah je peux réduire le son. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement parce que, à force de regarder des reportages sur la gendarmerie, etc., bah en fait, j'ai capté un truc. Et c'est vrai. C'est que les détecteurs de radar, eh ben c'est illégal. Voilà. Et je me suis dit, putain les gars, on essaye de faire RP. Des fois, on a des amendes par la police. En vrai, sur toutes les amendes qu'on a eues, on peut très bien s'imaginer qu'on s'est déjà fait contrôler. Et en fait, avoir un détecteur de radar qui bip à chaque fois qu'il capte un radar, parce que ça fonctionne avec les infrarouges ou je sais pas quoi là, je dis n'importe quoi. Bref, bah c'est illégal. Par contre, Waze, les avertisseurs, genre quand t'avertis les gens, ça c'est légal. Mais là, ce système en fait de radar détecteur, c'est illégal. Parce que ça détecte les contrôles mobiles, les contrôles immobiles, avec un système de... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est interdit, donc je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, ça nous cassera plus les oreilles, c'est beaucoup plus RP. Ça va nous inciter à faire beaucoup plus gaffe aux limitations. Là, on a de la chance, depuis le début, c'est limité à 90, donc c'est parfait. Évidemment, à ne pas confondre avec l'avertisseur de dépassement. Donc vous savez ce qui fait bip bip bip, ça c'est évidemment autorisé, en gros c'est quand tu dépasses la limitation autorisée, ton camion, t'as un avertisseur qui te fait bip bip bip, attention là tu dépasses la vitesse, évidemment c'est autorisé, sinon voilà c'est pour éviter d'avoir les yeux tout le temps sur le compteur. Mais pour t'avertir de quand il y a un radar, ça c'est interdit, avec un détecteur de radar. Et il y a beaucoup de vicieux, je savais pas en fait, il y en a énormément en France qui en ont, et peut-être que vous en faites partie même dans vos camions. Et ça se trouve, je dis des conneries et dans les camions c'est autorisé, mais ça m'étonnerait. Très sincèrement. Surtout que je sais que les contrôles sur les camions ça y va et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, je me suis perdu dans mon fil conducteur. Ça y est, je ne sais plus ce que je dis. Non, oui, il y a beaucoup de vicieux. Il y en a beaucoup qui ont des radars détecteurs. Vous en faites peut-être partie et qui les planquent carrément dans, les, dans le moteur de leur voiture. Dans les moteurs. Genre comme ça, bah quand tu te fais contrôler, personne peut le voir en fait. C'est un truc de taré. C'est fou quand même. Et ça me rend ouf de voir, et ça me rend hystérique, telle une femme qui n'a pas fait l'amour depuis des mois, de voir des gens, excusez-moi, pardonnez-moi, de... Oh, j'ai un public mature sur Eurotruck. Ça me rend fou de voir, et en plus ils sont contents, hein, c'est con, de voir... C'est pas le problème de cacher les radars détecteurs. Et c'est de rouler à 150 km/h, 160 km/h. Et dès qu'il y a le bip 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 bip, il pile net pour repasser à la limitation 110 ou 130. Genre ils mettent en danger. Et c'est ça le principe des radars. C'est la sécurité, c'est que tout le monde roule à la bonne vitesse. Bah résultat, avec ces cons qui utilisent le radar détecteur, mais qui l'utilisent mal. C'est ça les cons. Qui l'utilisent mal et qui roulent ta-ta-ta-ta-ta-ta, et puis qui pile net pour pas se faire flasher. Frérot, le mec il se prend une voiture, le mec il se prend déjà rouler à 160 km/h, c'est dangereux. Mais le fait de piler net, c'est encore pire. Je ne sais pas c'est quoi le pire, je ne sais pas c'est quoi le pire. Mais ça me rend fou. Ça me rend fou les gars, mais juste assumez. Si déjà en plus vous avez un radar détecteur, c'est parfait. Et ben alors, les gars, faites-vous un plaisir et augmentez de 5-10 km/h. Et encore, c'est pas bien ce que je donne comme image. Mais ne faites pas du 160 km/h ou du 200 pour piler net dès que vous êtes devant un radar. Putain, mais à ce moment-là, faites une fausse plaque et ne vous faites pas flasher. Si vous... Je sais pas, mais... Moi, je m'en fous que vous grugez le système, je fais pas partie d'État. Grugez le système, mais mettez pas en danger les gens et vous-même à cause de ça. Parce que c'est le principe du système, c'est de ne pas vous mettre en danger. Putain, à un moment donné, moi, je comprends plus rien. Il y a aucune logique. Bref. On a une bonne musique en fond, là. Ah hein. Oh, bah tiens, quand on parle de la police, on les laisse passer ou pas? On les laisse pas passer. Ah punaise. C'est une très mauvaise idée d'ailleurs, parce que du coup à tout moment si je fais une bêtise il me... Hein, on va faire gaffe. On va faire gaffe. En tout cas on est bientôt arrivé. J'ai vu qu'on est aux abords de Toulouse. C'est absolument faux. Mais j'avais cru voir qu'on était aux abords de Toulouse. En tout cas on n'est pas loin, il nous reste une petite heure de route. Et vous savez que sur Eurotruck et sur les autoroutes, une heure c'est environ 10 minutes. Donc ça va aller très très vite. Ça va être très très vite. Je suis agréablement content qu'il n'y ait pas de bug aujourd'hui sur cette vidéo. Ça fait plaisir.
Allez, vas-y, frérot. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Donne tout. Donne tout. Allez. Impeccable. Mon essence, c'est bon. C'est bon, j'ai assez d'essence pour arriver jusqu'à Toulouse. J'aime bien chercher de la merde avec l'essence. J'aime bien aller jusqu'au bout et après chialer quand je suis dans la merde. C'était pareil, moi avec ma voiture, en plus j'ai la flemme, ça fait chier l'essence. J'en ai marre de payer mon plein d'essence. Ça c'est, voilà, pareil, être routier, on est d'accord, le plein d'essence, c'est l'entreprise qui te le paye. Si c'est pas ton entreprise. Donc du coup, c'est un truc satisfaisant, c'est de pouvoir rouler, 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 mais ne pas payer l'essence. Alors ça c'est un truc qui me fera toujours plaisir, je pense. Alors là, ça va être assez dangereux comme situation. On va laisser passer le camion, les pompiers, attendez. Soyons pas bêtes, vous êtes pas en urgence, voilà. Ouais, pareil, avec ma voiture. Les gars, moi je suis pas un stressé, enfin je suis un stressé de la life en vrai. Hein. Je me suis pas mal calmé, mais moi mon aiguille elle est presque dans la réserve. Après, la réserve t'as encore de la marge. Mais moi ça me fait pas, il y en a ils paniquent et tout, moi là ça me faisait pas paniquer, j'étais en mode bah tu sais quoi, je m'en fous, fuck, je vais pas faire le plein. Par contre, si je suis dans la merde, là je suis dans la merde. Mais et j'assumerai pas. Mais clairement, je repousse le plus possible de faire le plein d'essence. Pourtant, ça revient au même. Et au contraire, si tu fais ton essence au max, tu payes plus cher, c'est logique. Enfin, plus cher d'un coup, en tout cas. Ça revient au même. C'est fou, hein. C'est fou, non? Ouais, c'est fou, ouais. Just Group. Eh, ça me dit quelque chose. Enfin, forcément que ça me dit quelque chose, mais puisque c'est français, je pense. Peut-être pas. Mais je ne sais pas ce que c'est. Centrale nucléaire à droite, très bien. Là, on est déjà allé là, de toute façon. En vrai, la France, on l'a quand même pas mal exploré, les gars. On pourra faire un bilan après, mais... Oh ! Ah non, j'allais dire, on va s'acheter un garage en Norvège. Ah, au Danemark, enfin, ce que vous m'aviez conseillé pour avoir les grandes remorques, etc. On va pas le faire. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter un garage en Suède pour pouvoir être au plus proche de la route de la mort, qu'on puisse la prendre, finalement, la semaine prochaine en live. Et j'aimerais bien un petit peu customiser ce camion. Et en même temps, j'aimerais aussi acheter, du coup, un Mercedes, ce que vous m'aviez suggéré, donc d'acheter un Mercedes. On va se faire un stock de camions, les gars, ça va être très sympa. Bon, désolé, hein, mais à un moment donné, faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Ça, j'espère que normalement, ça se passe pas dans la vraie vie. Hein. C'est que l'intelligence artificielle qui fait des conneries comme ça. Hein. Bref, ça me sidère, ça me sidère. Allez, Toulouse, on y arrive, on y arrive. On y croit, les amis. On est relativement pas mal. J'ai hâte de vous faire la vidéo setup. Vraiment, je le répète, j'ai hâte de vous la faire. Je vais vous expliquer dans le moindre détail tout ce que je sais, tous les trucs techniques. Et ça va vous faire chier. Parce qu'il y a des trucs qui vont peut-être pas vous intéresser. Mais je mettrai un sommaire. Comme ça, vous pourrez zapper les scènes qui vous plaisent pas. Ah, j'ai une coupure à faire. Ah, mais on s'en fout. C'est un contrat externe, donc on a tout notre temps. Donc si on doit la faire, on pourra la faire. Hop. Et on va quitter l'autoroute. C'est impeccable. La prochaine coupure, c'est dans 1h32. Il nous reste 26 minutes de route. On n'a pas besoin de faire la coupure. C'est parfait. On est très très bien. C'est seulement notre troisième livraison du vaccin du Covid. Hein. Je suis un peu à la ramasse. Hein. Wow! J'avais pas vu le camion. Ah bah tu vois, j'ai pas fait le bon mouvement. Hein. J'aurais dû un petit peu plus m'approcher. Hein. Wow, c'était chaud. Hein. C'était chaud de ouf. Mais en vrai, mine de rien, belle expérience quand même. Parce que autant c'était le bordel jeudi soir en multijoueur. Je me laisse passer, j'ai les vaccins. Autant c'était le bordel et il y avait des bouchons. Mais en majorité, le peu qu'on a pu rouler, les gens faisaient pas n'importe quoi. Et pourtant, à une époque, quand j'y allais et tout, alors j'imagine il y a toujours du bordel et c'est ça ce qui est drôle. Mais à une époque, c'était tout le temps. Enfin, les gens faisaient n'importe quoi. Les gens te rentraient dedans volontairement en fait. Après, ils se faisaient ban. C'est peut-être pour ça en fait. Tous les fouteurs de merde, ils sont bad en fait. Mais ouais, c'est vrai que c'était... Les gens respectaient... J'ai pas vu un camion griller un feu rouge en tout cas. Je sais pas si vous en avez vu un. Et moi, je n'ai pas vu ça. Bon, lui, à mon avis, il va pas faire le tour du rond-point. Donc on va se permettre... Voilà. D'aller ici. Hop là, je monte le trottoir. Bon, c'est des petits plaisirs qu'on s'octroie de temps en temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est magnifique. On était déjà là ou pas? Je sais pas si on était déjà là. Ah, attendez les gars, on va en profiter. On va en profiter. C'est l'instant miniature. Eh oui, attendez, hop. Parce que la miniature de la dernière vidéo, elle était pourrie. Hein. On va pas se mentir, elle était pourrie parce que j'avais pas fait de miniature sur le studio photo. Donc là, on va en profiter. En plus, mon petit camion jaune comme ça, là, un petit jaune titi, c'est pas mal ça. Mais j'aime beaucoup comme ça en jaune. Franchement, c'est super sympa. Hop, on fait ça, un peu de statue, tac. J'ai plus de musique en fond, c'est fantastique. Hop. Puis voilà, c'est carré.
Tranquillement, tranquillement. Hop. Voilà. Ma radio, elle s'est éteinte là sur le jeu. Ah, je dois avoir une panne. Faut taper. Faut taper sur le truc. De toute façon, on est bientôt arrivé. Et on va s'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. J'espère que vous avez kiffé. J'ai bien roulé. Bah, alors, juste au début, je crois que j'ai fait de la folie. Mais, pour le reste, j'ai bien roulé. Petite question aussi, c'est vrai. Vous avez fait la remarque dans le chat. Ouais, en live. Je voudrais savoir, j'ai vu que ce camion là il a 16 vitesses en automatique. Est-ce que c'est RP ou est-ce que c'est pas normal? Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce que je ne m'y connais pas encore en camion, donc c'est pour ça que je voulais savoir, parce qu'il a 16 vitesses. En automatique en tout cas, je sais pas comment ça se passe en manuel, ça doit être différent. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a dit ouais, il y a 16 vitesses, c'est pas réaliste. Alors à voir, ça se trouve il a faux. Ça se trouve il a raison, je ne sais pas. Vous me direz, je vous ai posé beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai hâte de voir vos retours. Je sens que Félix le routier notamment, ce sera pas le seul, il va faire un gros pâté pour écrire un commentaire. Et ça fait plaisir, j'adore. Franchement, je me lasse pas de lire ces messages. J'apprends toujours quelque chose. Ces derniers temps, j'apprends toujours quelque chose. Je crois que je vais reprendre la voix masculine. Pour le GPS. Hop là. Alors attends, ils me font peur, c'est bon. La mini, elle s'est arrêtée. La mini Moise. Là, on a le train qui va passer au même moment. À tous les coups, on connaît, non, même pas. Hop là, parfait. Ok. On est nickel, on est tout bon. Bienvenue à Toulouse. C'est quand? C'est là. Parfait. Ouah, il y a un avion qui décolle. Est-ce que vous voulez qu'on refasse du Flight Simulator aussi? C'est un peu tard que je pose la question, mais est-ce que vous voulez qu'on refasse du Flight Simulator? Parce que ça fait quand même un moment. Hein. Ça fait quand même un moment. Et est-ce que je le fais en live sur Twitch ou est-ce que je le fais en live sur YouTube? C'est vous qui allez me dire, les amis. Je compte sur vous encore pour répondre à cette dernière question. Et si oui, donnez-moi des idées de ce qu'on pourrait faire sur Flight Simulator plutôt qu'un plan de vol où on se fait chier. Très clairement. Donc voilà. Oh, c'est une manœuvre très compliquée aujourd'hui là hein, qu'on a à faire. Oh là là, j'ai peur de pas y arriver. Je fais le malin, mais en attendant, ceux qui ont vu le live, vous savez de quoi je veux dire. Mais ce genre de manœuvre avec une double remorque, eh ben, c'est pas terrible. On est bien arrivé, les amis. Et ça, ça fait plaisir d'étalage sans sortir du camion. Impeccable. Enfin, si, oui, j'imagine que ça se passe dans le camion aussi, le dételage. Le dételage. Bref, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais qu'il faut sortir quand même à un moment donné. Bref, voilà. Eh ben, ça fait plaisir. On l'aura fait. On en est où donc? On est à 3 sur 7. Ça prend énormément de temps. Je pense que je vais continuer à en faire en off. Dans tous les cas, semaine prochaine, dans le live, si l'événement est encore en cours, on ira tout de même. C'est jusqu'au 7. Donc, semaine prochaine, on pourra encore en faire. On a le temps. On s'en fera également en live si jamais j'ai pas eu le temps de tout faire. En off, voilà, n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Non, attendez, gestion garage, on va le faire tout de suite. Je sais que c'est pas rentable, je sais que c'est une grosse connerie, mais on va le faire. On va s'acheter donc, allô. D'accord, je ne peux pas bouger ma souris, c'est fantastique. Attendez, c'est quoi ces conneries là? Achat de garage, est-ce que je peux? Voilà, on va aller en Suède. Oh, attendez. Ah oui, mais je sais pas c'est où. Normalement, c'est par là. Hein. C'est par ici. C'est par ici. Attendez, je fais durer la vidéo. J'espère que vous kiffez quand je fais durer les vidéos de cette façon. Il faut qu'on regarde sur... C'est dommage que c'est pas pareil d'un truc à l'autre. Donc là, on monte, on monte, on monte. Voilà, juste ici. On a Muunio. Muunio. Et nous... Ah, nous, c'est Kirkenes. Bah, heureusement que j'ai pas acheté le garage. Kirkenes, donc c'est au niveau de Mourmansk et Muunio. Ivalo. Ok ? On retient? On va essayer de retenir. On va essayer de retenir. Kirkenes. Bah voilà, tu vois, il y avait un garage à Kirkenes directement. Moi, j'allais acheter un garage là. Eh ben, let's go. On va acheter le garage à Kirkenes. Un petit, évidemment. Et ça va nous permettre de faire un voyage rapide là-bas. Et ça va être trop, trop cool. Mais on peut le faire en solo, du coup, hein, la route de la mort. Mais je sais pas s'il y a des voitures, s'il y a des camions. Donc, c'est pas pareil. En tout cas, on expérimentera en multijoueur et on le fera également en solo pour voir comment ça rend et j'ai très très hâte. Oh, ça va être trop bien les gars. Ça va être trop bien. Allez, pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, des bisous. Ciao tout le monde.